لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعقدنا لهم عذابا أليما. نحمده تعالى ونشكره ونستغفره من كل ذنب ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ومتمما لمكارم الأخلاق. صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واعلموا أن التربية أساس قيام وكيان الأمم والمجتمعات، فالتربية هي التي تقيد حال واتجاه ومسير كل فرد ومجتمع. لذلك لقد حرص الإسلام على التربية الناشئة تربية متكاملة تمس جميع ميادين وجوانب الحياة. شرف لنا صلى الله عليه وسلم لما جاء الله سجد لنبك يعني دا سربيسا إن أتاكا بليبرا سبت سيقورا قيد برسي قيدا دي بلدوا إي إلى أنور سيقورا يكي فوت برزي 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 برزي. Nous sommes les connaissants de tous ses bienfaits. Nous implorons son pardon et nous répandons à lui. Le témoignage et Allah suffit pour témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah l'a envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière et pour pouvoir faire les bonnes mœurs. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son soin, ses miséricordes, ses bénédictions et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, craignez Allah, votre Seigneur, comme il le faut, et sachez que l'éducation est la base de l'existence et de l'entité des peuples et des sociétés. Car c'est l'éducation qui conditionne l'état, l'orientation et l'avenir de tout individu et de toute société. C'est la raison pour laquelle l'islam veille à l'éducation des jeunes, une éducation intégrale touchant tous les domaines et tous les aspects de la vie humaine. Le comportement et les agissements des individus, le comportement et les agissements individuels et ou collectifs des gens sont générés dans leur majeure partie, par l'éducation reçue à la base, soit de la famille, soit à l'école, soit de la société. Malheureusement, tous ces trois milieux éducatifs sont déficients en matière d'éducation islamique et c'est pourquoi nous assistons à un paradoxe flagrant entre le comportement du musulman et l'idéal islamique auquel il prétend appartenir. Sachez qu'il n'y a aucun miracle pour remédier à ces paradoxes hormis une connaissance parfaite des vertus islamiques suivies de leur application dans la vie quotidienne. Il faut par conséquent décanter le cœur de tout ce qui les assure et qui est contraire à l'islam afin que les vertus islamiques s'installent dans ce cœur et dans l'esprit pour qu'elles soient gravées dans tous les comportements des individus. Chers frères et sœurs, voici la suite de notre sermon sur le rôle de l'éducation islamique dans la formation de l'homme. Nous avons vu lors de notre séance passée la définition, la place et l'importance de l'éducation islamique. Nous avons indiqué que l'importance de l'éducation islamique se révèle à travers son parfait code de vie qui permet de développer la pensée et la conception de l'homme, de raffiner et d'humaniser ses caractères, ses comportements et ses sentiments sur la base de l'islam. De ce fait, l'éducation islamique demeure une activité qui vise la préparation et la formation de la raison de l'homme, de sa pensée et de ses vues sur le monde et la vie, ainsi que sur son rôle dans cette vie, sa relation avec le monde, la façon de profiter de la nature et de la vie terrestre, la finalité de la vie qu'il mène
et l'objectif principal vers lequel il doit orienter ses efforts. Ceci est inhérent, comme nous l'avons dit, aux caractéristiques, aux particularités propres de cette éducation islamique, ce qui nous amène à avoir ces particularités. Sachez que l'éducation islamique, chers frères et sœurs islam, diffère nettement de l'éducation chez les autres peuples de confession, par ses sources, par ses objectifs, par ses buts ou finalités, par ses fondements, ses moyens, ses méthodes et ses particularités. C'est en effet une éducation à la fois divine, car elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique divinité qui mérite l'adoration partout et toujours, étant l'unique créateur de tout l'univers et ce qu'il renferme. Deux, c'est une éducation éternelle, car elle sera en vigueur jusqu'à la fin des temps. Trois, c'est une éducation globale, puisqu'elle touche tout le domaine de la vie sans exception. Quatre, c'est une éducation parfaite, puisqu'elle ne renferme aucune défectuosité ou déficience depuis le parachèvement par Allah de l'islam et de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 4, 5, c'est une éducation actuelle, car toutes les situations, tous les problèmes de la vie humaine peuvent s'y adapter avec facilité. 6, c'est une éducation individuelle et collective, car elle s'adresse à l'individu comme à la collectivité. 7, c'est une éducation équilibrée entre la vie présente et la vie future, car elle ne néglige pas et n'accepte pas que l'on néglige l'une au profit de l'autre. Au contraire, elle apprend à l'homme à utiliser tout ce qui lui offre la vie présente comme moyens et capacités pour chercher à gagner dans la vie future. 8, c'est une éducation valable partout et toujours, car elle est universelle et éternelle comme l'islam. Voilà, chers frères et sœurs islam, quelques particularités de l'éducation islamique par rapport aux autres systèmes éducatifs. L'éducation islamique diffère des autres éducations, surtout dans ses sources. Ceci nous amène à voir les sources de l'éducation islamique. Sachez que l'éducation, en tant que discipline islamique, se base sur les mêmes sources que la religion islamique, à savoir le noble Coran, qui est la première source fondamentale et contraignante de toutes les disciplines et sciences islamiques. 2. L'authentique Sunna, qui est la seconde source fondamentale et contraignante de l'islam, et en même temps l'explication pragmatique du contenu coranique. 3. Le consensus des savants musulmans, ce qu'on appelle Ijma al-Umma, qui ne se fait jamais dans l'erreur ni dans l'égarement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que sa communauté ne s'accorde jamais sur l'erreur. 4. L'ijtihad, qui est l'effort d'interprétation des textes islamiques, effort fourni par les savants musulmans qualifiés en la matière, a vu de trouver une solution en cas de jugement ou de problème qui n'était pas connu des prédécesseurs. Un tel savant aura une double récompense si son interprétation s'est avérée juste, sinon il aura une seule récompense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5. L'analogie, al-qiyas, qui consiste à traiter une question juridique qui n'a pas été explicitement traitée par le Coran, la Sunna ou le consensus des savants musulmans, en la comparant à un cas similaire traité par une de ses sources. Cette analogie est également l'apanage des savants musulmans qualifiés en la matière, et elle comporte deux aspects. L'analogie évidente, qu'on appelle al-qiyas al-jali, que l'on peut expliquer par l'exemple suivant. Le terme al-khamar en arabe est interdit dans le Coran. Or, le terme khamar désigne tout ce qui enivre. Par conséquent, l'opium et tous les comprimés intoxicants ou stupéfiants sont interdits. Un autre exemple, celui du tabac. Parmi les attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de rendre ici pour les croyants tout ce qui est bon et leur interdit tout ce qui est mauvais, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya'murhum bil ma'ruf wa yanharhum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Il leur ordonne les convenables, leur interdit les blâmables, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur porte le fardeau, les juges et le joug qui était sur eux. Donc, à l'humanité, or à l'humanité déjà, y compris le fumeur, le tabac n'est pas bon, de même que son odeur. Par conséquent, il fait partie des mauvaises choses interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam conformément à ces versets coraniques, sans compter ces dangers pour la santé et l'économie du fumeur et de la société. La seconde analogie, al-qiyas al-khafi,
L'analogie subtile ou cachée que l'on peut illustrer par l'exemple suivant, il est ordonné dans un récit des prophètes d'offrir une chèvre à Allah. Or, pour certains pauvres, le prix de la chèvre serait plus acceptable et préférable. Donc, on donnera la valeur de la chèvre à la place de cette dernière. Il faut signaler qu'en dehors de ces principales sources, il y a d'autres sources de dédication islamique sur lesquelles les savants musulmans divergent. Il faudra cependant faire l'alliance entre les sources et les bases au fondement de l'éducation islamique. Pour cela, il sera nécessaire d'aborder brièvement ces deux derniers avant de parler des objectifs de l'éducation islamique. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان فاستغفر وتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. Vers une seule divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, de qui il puisse
soutiendra, aide et orientation dans tous les domaines de la vie, de sorte que règne sur terre la paix, la fraternité, et de sorte que disparaisse toute tentation ou chute à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute la religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, soit exclusivement réservée à Allah. Chers frères et sœurs, pour atteindre ces objectifs, l'éducation islamique utilise une multitude de supports à la fois licites et efficaces. Nous verrons, inchallah, ces différents supports au cours de nos prochains sermons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforte davantage à ce qu'il est malgré parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre la raison de notre présence sur cette terre et à mieux pratiquer notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et bénisse davantage notre cher pays de Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous et sur l'ensemble de l'humanité ses miséricordes et ses bénédictions. Hada wa sallu wa sallim ala rasulikum Muhammad kama umirtu bidhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alihim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sallam ala ashabihi ajma'in wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. واعطنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. واعطنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب دعوه رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك ربك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه.